Vous regardez RTL. L'histoire du vendredi, un jour sur la Terre, c'est avec vous Thomas Proutot, bonjour. Bonjour. Et nous partons à Villeneuve-le-Roi quand une fausse perquisition tourne au saucissonnage en règle. Oui, les trois hommes habillés en policiers se sont présentés peu après 7h du matin dans une petite maison de la ville. À l'intérieur, un père de famille, ses trois enfants endormis à l'étage et un cousin. Le propriétaire ouvre la porte. Les intrus prétendent alors faire partie d'un groupe d'enquête de la brigade financière de Seine-Saint-Denis, officiellement missionné pour enquêter sur un trafic. Ils ont tout prévu, des brassards au bras, un pistolet à la main. Ils demandent alors à perquisitionner, mais ils sortent très vite du cadre d'une perquisition ordinaire car ils menottent le père de famille, c'est peu courant, son cousin également. Les trois malfrats fouillent alors toute la maison et découvrent 11 000 euros en cash dissimulés dans une armoire et des bijoux d'une valeur de 1 000 euros. Le forfait accompli, les trois escrocs tombent le masque. Au lieu de pousser jusqu'au bout leur mise en scène, ils remplacent les menottes par des colliers de serrage et abandonnent les deux hommes à leur sort. Ce sont de vrais policiers qui les ont délivrés dans la matinée. Récit Thomas Proutot, un jour sur la Terre, des histoires à podcaster sur RTL.fr. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Bénédicte Tassard, Vincent Parisot.